Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir. Le monde est déjà 7 heures dans tout studio de télévision nationale d'Haïti, Delma 33. Nous comptons ensemble avec vous pour capable présenter votre troisième sortie du journal là pour semaine. Rapidement, mes grands points qui ont dominé l'actualité. Rennes dans le pays d'Espagne, Majesté Laetitia Ortiz, rentre dans le pays hier mardi pour une visite de jour. C'est la première dame République, Martine Moïse, qui recevra Rennes dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Un magistrat en a prévu la porte-père Tony Vergniaud mourir hier mardi dans un accident machine. C'est magistrat principal là qui t'a conduit tracteur cela dans moment accident ça arrivé. 22 mai 2017 à 22 mai 2018 fait solidarité activité l'état consommateur haïtien qui gagne pour siga salcon on l'année depuis li existé dans occasion responsable salcon yo dressé un bilan positif face aux diverses activités yo déjà réalisées et puis présenté perspective yo pour jour qui venir. Et puis à l'étranger, Corée du Nord appareil pour les capables de fermer cette nucléaire. Il y a une délégation journaliste étranger visité processus fermeti cette cela. Yon lot bo gen gros doute ki blaye sou réalisation sommet historique ki gen pou fèt 12 juin ka vini la an pays États-Unis à Corée du Nord. C'est grand point ça a ke ton n'ap gagné pour capable développer dans journal la pour jodi a la. Rete branché cependant n'ap pou ti pause n'ap tourner tout à l'heure. Merci pour fidélité à 4 ans soir qui dit son nouvelle cela. Nous retournons pour développement information. Je nous dis dans grand titre, première dame République Martine Moïse recevoir dans pays en mardi 22 mai 2018 là, reine dans pays Espagne, Majesté Laetitia Ortiz Roca Solano. Nous reine dans pays Espagne rentré dans pays d'Haïti dans cadre d'une visite officielle Kabout jeudi mercredi. En nous suivant compte rendu avec Rachel Sefort et puis Evans Joseph. Reine pays Espagne, Sa Majesté Laetitia Ortiz Roca Solano rivé dans pays d'Haïti mardi 22 mai 2018 là. Première dame République Martine Moïse accompagné différentes autorités dans l'état était présent à l'aéroport international Toussaint Louverture pour accueillir Reine pays Espagne, Sa Majesté Laetitia Ortiz Roca Solano. Majesté, Haïti content well et avec toute cœur la souhaiter bienvenue. Selon responsable yo Reine pays Espagne là, Sa Majesté Laetitia Ortiz pendant visite li nan pays a ap gen pour répondre à un agenda bien rempli. Demain mercredi 23 mai 2018 là, Reine pays Espagne là ap gen pour rencontrer coupe présidentielle là nan palais national. Accompagné première dame République là, l'ap gen pour visiter divers centres d'accueil, rencontrer diverses associations femmes. Haïti a collaboré avec pays Espagne depuis environ 30 ans. Depuis 2005, Haïti vient un pays qui a priorité dans la coopération espagnole. Passage Reine Espagne, Sa Majesté Laetitia Ortiz dans le pays, c'est l'occasion pour prendre connaissance du projet de coopération espagnole à financer en Haïti et puis garder un impact dans la société. Visite Reine pays Espagne dans le pays a duré 2 jours, la bout mercredi 23 mai 2018. C'est avec une autrice n'a pas traîné dans le journal La Cunyala, une magistrat adjoint commune en Port-de-Paix, Tony Vergniaud, mouri hier matin dans un accident de circulation qui est enregistré au niveau monde qui mène dans le commissariat Port-de-Paix. Situation s'est arrivée dans le moment magistrat en appréhendé sous un bac l'odeur, magistrat principal là lui-même l'étape conduit. Accident s'est arrivé pendant magistrat te mette col sous côté pour bailler une machine passer et puis bac l'odeur ça lui-même qu'après chavirer en bas et puis tomber sous magistrat en appréhendé. Mac Eddy Oksama depuis Port-de-Paix a bas nous plus de détails. Maire assesseur commune Port-de-Paix, journaliste pasteur Tony Vergniaud perdu la ville dans moment té à bord yon bac colodé qui était sorti dans local mairie pour prendre direction centre-ville là. Rivé dans descente mon commissariat Port-de-Paix pendant magistrat principal là Josué Alisma qui t'a opéré bac colodé ça t'a rasé pour bail yon l'autre véhicule passé té touche à vieux dans patlan d'après explication juge suppléant dans tribunal Port-de-Paix Maître Paul Blanc qui t'a fait constat. Après ville manœuvre que nous rivé faire pour retirer corps là nous constater que effectivement c'est
maire adjoint Port-de-Paix, c'est Tony Vernio. Selon l'information, c'est maire principal là, Josué Alisma, qui a descendu avec contracteur et qui a gagné Maïssa et Tony Vernio à Bonli. Pendant qu'ils ont fait rencontre dans descendant et bon commissariat, ça semble que tu as fait croisement avec un véhicule. Pendant que la brasé sous Bonli, le matériel a glissé, les chaviers en bas. Nous avons constaté nos ordonnées pour le corps là. L'important pour nous souligner, c'est 5 personnes qui étaient à bord à Colodessa, qui ont même sauvé des justesses parmi eux. Magistrat Josué Alisma, qui était rendu tout de suite dans le commissariat pour le PA après Dramsa. Dans le moment, juge de paix a fait constat cadavre là. Même dans la population qui était massée en bas mon commissariat, a tiré en pile coup de roche pour protester contre la mort tragique magistrat Tony Vernio. C'est grâce à l'intervention force l'audio qui ripostait à gaz lacrymogène qui dispersait foule là, ça qui permet situation de tension ça retourner à la normale. Depuis, c'était Capra la mort, Port de Paix, Mok Edi Oxam, Antenne Télévision d'État. Merci, Mark Edi Oxam. Toujours dans ces circonstances, il y a un président de la République là, Jovenel Moïse, dit lui apprendre avec un peu la peine. Nouvellement, un magistrat en après, Port de Paix, et Tony Vernion a eu un accident tragique. Chef l'État a profité de présenter condoléances par les premiers magistrats à Catel municipal Port de Paix. Nous-mêmes, au niveau de Télévision nationale d'Haïti, nous avons profité dans la même occasion de présenter sympathie nous à la famille et petite et puis corporation journaliste puisque Tony Vernio c'est journaliste que lié et puis il passe en même temps donc nous présenter sympathie nous dans nos salles nouvelles à toute direction télévision nationale d'Haïti sympathie nous à toute famille à tout monde nouvelle ça fait la peine. 22 mai 2017, 22 mai 2018, fait solidarité, activité l'État, consommateur haïtien qui gen pour siga salcon, yon l'année depuis l'existé. Na occasion, responsable négociation salcon, Israël Jackie Katav, dresse yon bilan positif sur diverses activités yon déjà réalisées et puis présenter perspective yon. Pour jour qui a venu. En nous suivant extrait Namiko Richardson en Jourdan avec Michel Joseph. En termes de bilan, ça ne réalisé pendant l'année ça. Fon dit majorité travail que nous faisons rester dans un travail intellectuel dans la mesure où c'est enquête d'observation et rapport acheminé à ministère du Commerce et de l'Industrie. Et tout ça fait à partir de bureaux plaintes, nous. Donc ça veut dire que c'est des plaintes que nous recevons de consommateurs, que ce soit consommateurs qui passaient dans 22A, c'est numéro téléphone, nous, ou bien consommateurs qui passaient dans bureau physique, nous, pour côté plainte. Eh bien, nous utilisons plainte ça, pour nous travailler sur eux et acheminer eux à ministère du Commerce, Office Protection Citoyen, à Conatel, le concernant de téléphonie mobile, puisque majorité plainte que nous recevons concernées téléphone mobile, Digicel et Natcom. Eh bien, c'est premier travail que nous faisons, c'est ça. Deuxième travail que nous faisons, c'est observation. On travaille d'observation que nous faisons sous question good avec dollars. Et heureusement, je dis à mon arrêté présidentiel en date du 28 février, qui stipulait clairement que toute transaction sous territoire national là doit être faite en good. Et nous espérons tout simplement, et nous continuons à plaidoyer pour une bataille, pour nous réclamer que les transactions continuent à être en good et que les prix soient affichés en good. En termes de perspective, Fondi tout simplement, n'a continué à axer perspective à ça sur question formation. D'abord, formation pour collectivité territoriale qui a démarré dans l'été à la, dans la vacances là. Ensuite, formation pour élèves classe humanitaire, de troisième jusqu'à philo. Eh bien, élèves ça n'a passé dans l'école yo, dans 4 lycées dans la capitale là, pour nous capables de sensibiliser, pour nous capables de former, pour nous capables de faire développer la caille, réflexe consommateur responsable, pour permettre que vous même tout, dans la famille, dans l'église côté, vous êtes capables d'accompagner les parents, les parents qui peuvent acheter vos produits ou vos services, pour vous capables même aider les parents à garder, jauger la qualité des produits et services. Là. Sur information qui t'a voulu faire quoi prix gaz la pral monter sur marché local là, président association économiste haïtien économiste Edi Labossière mandé pour autorité dans gouvernement haïtien prendre temps yo pour ta réfléchir pour appliquer l'idée cela. Edi Labossière était quoi conjoncture pas favorable pour porter qualité mais ça yo li reconnaître capoter plus pour pays d'Haïti. Et dit la bosse à ton ami qu'on en se masse à Kevin Pierre. Lorsqu'on a mené une étude où est que
62% subvention, c'est pour nous qui avons un gros business. Nous avons pour une machine 8 cylindres, 6 cylindres et qui habitent bien loin. Des gens qui n'ont pas besoin de subvention, qui recevront les sacs pour nous. Ah! Il fait que les femmes de ces bars-là. Parce que l'étude prouvait que c'est seulement 2% de subvention qui ajoutent pas. Donc on y a obligé de réfléchir. Même les peut-être. Il n'y avait pas au niveau international une tendance haussière du baril de pétrole. Et, mais il faut réfléchir. Parce que le gouvernement là, en fait, on est en gouvernement là pour faire promotion de l'équité. L'équité, je dis qu'il va aider les gens qui sont défavorisés, les gens pauvres. L'équité va dire qu'il va aider les gens riches. Vous comprenez mon problème qu'il a. Mais il y a l'autre problème, encore chargé problème. Problème gazon, il y a un problème qui est simple. Pourquoi on est en Haïti? Chaque jour, nous consommons 21 000 barriques de pétrole. Lorsqu'ils font contrôle pointu, on voit que nous ne consommons pas 21 000 là. Nous consommons à peu près 15 000 barriques de pétrole par jour. On va dire côté 6 000 barriques de pétrole, ça va passer. Différence là, dans la République dominicaine. Parce que toujours un différentiel entre le prix à la pompe en Haïti et le prix de la pompe en République dominicaine qui dépasse un dollar. Donc là, je pense que décider au grand pile problème, je dis à face à cette problématique de subvention. N'a pas quitté l'économie, nous prenons aller dans le dossier santé. Responsable complexe médical polyvalent organisé mardi 22 mai 2018 la yon campagne dépistage cancer colmatrice dans le local de Kishita dans Delma 31. Activité ça qui te réunit plusieurs femmes te occasion pour responsable à l'hôpital ça sensibiliser mesdames sur nécessité qui gagne pour yo capable protéger tête contre maladie cancer matrice cap augmenter plus chaque jour dans pays d'Haïti. Docteur Grégory Boger encourager toute jeune femme yo qui n'a rapport sexuel pour yo capable faire dépistage cela. En nous suivant extrait dans déclaration. 3e édition campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus que nous organisons chaque année et la semaine d'avant la célébration de la fête des mères. Donc année ça fait 3e fois comme moi dire que nous organisons campagne de dépistage ça. En fait, cancer du col de l'utérus c'est une première cause de mortalité en termes de cancer dans le pays d'Haïti. Et selon dernière données qui bail sur chaque 100 000 femmes, ou capable gagner jusqu'à 93 et bien qui atteignent de problèmes concernant colmatrice. Et sur 93 ça yo estimé que jusqu'à 53 capable arriver perdu la vie. Et selon société haïtienne d'oncologie qui eux-mêmes c'est vraiment impliqué en profondeur dans bataille ça, plus de 70% moun yo kon rive dans stade vraiment tardif. Donc yo rive dans stade qui vraiment avancé avant que yo fait prévention et le cancer du col de l'utérus. Durant les deux dernières campagnes que nous avons organisées, environ statistiques par nous montrer que environ 80% moun yo gagne de petits problèmes qui lié à infection etc., infection dans vagin, infection dans col matrice. Mais cependant nous joignent environ 40% moun tou qui gagnent dans même moun sa yo, nous joignent environ 40% qui a gagné des problèmes de lésions précancéreuses, ça veut dire qu'il y a des lésions pour arriver dans le stade cancer, mais qui déjà a gagné des cellules dans le col qui a transformé pour évoluer vers le cancer. Mais maintenant, dans le monde, ça a tout, nous jouons moins que environ 1% dans yo qui déjà ont cancer qui in situ. Ça veut dire que nous jouons des mouns avec des résultats qui dit que le monde a un cancer in situ. Ça veut dire un cancer qui n'a pas le matrice qui peut gagner. Alors, il y a moins que 1% que nous te joignent qui gagne un cancer qui gagne tant gagné. Nous te dit environ 5 moun comme ça qui étaient arrivés dans ce stade ça seulement. Mais pour la plupart de moun, c'est moun qui gagne lésions précancéreuses ou du moins qui gagne des infections vraiment. Nous-mêmes, dans le complexe médical, nous faisons des suivis, nous favorisons que moun ça celle qui a bénéficié d'une intervention pour nous retirer matrice en li bénéficiel. Mais maintenant, moun qui gagne lésions précancéreuses, nous gagnons moyen.
gagner pour nous faire des procédures particulièrement résection à anxiathermique là que nous capable faire pour et bien faire prévention retirer zone qui gagne problème là de manière à ce que nous n'en pas arriver dans stade cancer là. Donc c'est comme ça nous accompagner moun yo avec un prix abordable pour que yo capable arriver et bien faire prise en charge lorsque yo gagne genre de problème ça yo. Là, nous fermons chapitre local, là, nous prenons l'autre bord de l'eau, puisque il y a une inquiétude qui a pesé sur rencontre qui a dû faire 12 juin qui a venu là entre président américain et dirigeant nord-coréen. Et bien, Donald Trump a reconnaît que rencontre sa capable d'arriver à faire 12 juin pendant qu'il a recevoir Tokay sud-coréen. Euronews a dit non plus. Le sommet États-Unis-Corée du Nord pourrait bien être reporté, admet Donald Trump, alors qu'il recevait mardi son homologue sud-coréen. La rencontre, très attendue, prévue pour le 12 juin, a été remise en question dernièrement par Kim Jong-un. L'homme fort de la Corée du Nord n'a pas apprécié les manœuvres militaires conjointes entre Washington et Séoul, ni les pressions sur son arsenal nucléaire. Nous avançons et nous allons voir ce qui va se passer. Il y a certaines conditions que nous voulons et je pense que nous les obtiendrons. Si ce n'est pas le cas, alors peut-être que cela se fera plus tard. Je dois dire que le sort et l'avenir de la péninsule coréenne dépendent de cette rencontre. Je ferai tous les efforts possibles jusqu'à la fin pour appuyer le succès du prochain sommet États-Unis-Corée du Nord. Pourtant, la Corée du Nord avait montré patte blanche plus tôt dans la journée en invitant sur son sol des journalistes étrangers conviés à assister à la destruction d'un site d'essai nucléaire. Mais Pyongyang ne semble pas prêt à baisser la garde trop vite et a même annulé récemment des discussions majeures avec Séoul. Pour le président américain, aucun doute, l'ombre de la Chine plane au-dessus du revirement nord-coréen. L'attitude de Kim Jong-un aurait évolué, selon Donald Trump, après plusieurs visites récentes du leader nord-coréen à Pékin. Dans même dossier, c'est là, gagné Corée du Nord lui-même qui apparaît pour lui capable de fermer un site nucléaire. L'IA. Et bien, Corée du Nord, dans ce sens-là, lui invite une délégation journaliste étranger pour être capable de venir garder le processus de fermer ce site-là. Euronews a dit non plus. La Corée du Nord a invité une délégation de journalistes étrangers à venir assister au démantèlement de son site d'essai nucléaire de Punggye-ri. Le site se trouve sous une montagne de granit à 2000 mètres d'altitude et à proximité de la frontière avec la Chine. Une récente étude chinoise avance que le dernier essai nucléaire mené à Punggye-ri aurait provoqué l'effondrement partiel du site qui serait désormais inutilisable. Donald Trump avait néanmoins salué la décision de Kim Jong-un de fermer le site de Punggye-ri. Depuis, les relations se compliquent et les deux hommes émettent des doutes sur le maintien ou non de leur rencontre prévue le 12 juin prochain à Singapour. Le démantèlement du site de Punggye-ri sera peut-être l'occasion d'en savoir plus sur les intentions de Kim Jong-un. La Corée du Nord devrait donc fermer son site nucléaire dans les prochaines 48 heures. Des journalistes sud-coréens ont désormais rejoint la presse étrangère sur place, mais parmi eux, aucun expert. Et s'ils n'ont pas été invités, certains pensent que c'est parce que le démantèlement du site occasionnera la perte de preuves importantes. Janice Mackey-Frayer, NBC News, for Euronews in Beijing. Plusieurs chefs groupes politiques au niveau du Parlement européen ont convoqué PDG Facebook là pour capable répondre question yo sur sécurité information utilisateur Facebook yo. Et oui, nous a dit non plus. Comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous comme l'un des géants d'Internet ou comme un génie raté ayant créé un monstre numérique qui détruit nos démocraties? C'est ainsi que Mark Zuckerberg a été interpellé hier lors de son audition devant les chefs de groupe politique du Parlement européen. Le PDG de Facebook avait commencé par présenter ses excuses aux Européens pour avoir permis aux fake news de proliférer sur sa plateforme et aux millions d'utilisateurs de son réseau social dont les données ont été pillées par la firme Cambridge Analytica. Nous n'avons pas pris la mesure de notre responsabilité. C'était une erreur et j'en suis désolé. Mais être désolé n'est pas suffisant pour les Européens. Quelques heures avant l'entrée en vigueur d'une législation visant à mieux protéger les données personnelles des citoyens, l'une des plus avancées dans ce domaine. Une certaine régulation est inévitable et l'important c'est de bien faire les choses et de veiller à ce que nous ayons des cadres réglementaires qui aident à protéger les gens.
Comme devant les parlementaires américains, il s'est donc dit prêt à accepter un minimum de régulation et a promis de s'y conformer sans plus de détails. Les Européens étaient dans l'ensemble déçus et l'ont fait savoir, dénonçant la toute-puissance du réseau social. Je pense qu'il est temps de discuter du monopole de Facebook parce que c'est trop de pouvoir concentré en une seule main. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg et bien d'autres PDG de grandes entreprises de haute technologie sont attendus à l'Elysée où le chef de l'État français organise un sommet Tech for Good pour inviter ces firmes, je cite, à mettre leur puissance au service des biens communs que sont l'éducation ou la santé. Emmanuel Macron, champion des start-up, a récemment déclaré à un magazine américain « Google ou Facebook deviennent trop grands pour être gouvernés et devraient donc être démantelés ». C'est ce dernier information ça n'a fait mes journal là jeudi mercredi hein, avant que nous allions permettre que nous rappelons grand point qui domine l'actualité. Hein. Renan pays Espagne, Majesté Laetitia Ortiz Roca Solano rentrée dans le pays d'Haïti hier mardi hein, pour une visite qui a abouti jeudi mercredi. Hein. C'est premier dame République la Martine Moïse qui te recevoir Renan pays Espagne à l'aéroport international Toussaint Louverture dans Port-au-Prince. Youn magistrat en a prévu la porte-père Tony Vernio mouri ayer madian nan matin dans un accident tracteur. C'est magistrat principal là qui tape conduit tracteur cela nan moment accident. Correspondant nous Makedi Oksama te ba nou plus détails sur accident cela. 22 mai 2017, 22 mai 2018, fait solidarité activité l'État consommateur haïtien qui est pour Sigan Salcon, yon l'année depuis l'existé. Dans l'occasion, responsable Salcon a dressé un bilan positif sur diverses activités yon déjà réalisées et puis présenté perspective pour l'année qui vient. Et puis, dans le pays étranger, Corée du Nord a préparé pour être capable de faire un site nucléaire. Il y a une délégation journaliste étranger visité le processus de faire site cela. Il y a un gros doute qui blaye sur la réalisation du sommet historique qui est pour faire 12 jours qui est là en pays États-Unis et Corée du Nord. C'est là, nous mettons au bout dans le journal là, nous vraiment contents ensemble avec vous pour capable informer vous. L'irrité seulement pour capable souhaiter vous passer un très très bon mercredi sur le territoire national d'Haïti. Rendez-vous avec moi pour une autre édition, c'est demain matin, jeudi. Bye bye tout le monde.